En Chine, au moins 22 personnes ont été tuées ce vendredi dans l'explosion d'un oléoduc. Cela s'est passé dans la ville de Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'est du pays. Une fuite a d'abord été constatée dans le pipeline appartenant à la Sinopec, la plus grande société de raffinage de Chine. Des techniciens se sont rendus sur place et alors qu'ils tentaient de colmater la fuite, il y a eu une explosion d'origine encore indéterminée. La détonation a été particulièrement violente, en témoignent les dégâts occasionnés. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre pour faciliter le travail des secouristes. Les accidents industriels sont fréquents en Chine. La plupart du temps, ils sont liés à un manque de respect des normes de sécurité.